principale du cours. Je vais vous parler des POG. Enfin non, je voulais vous parler des POG. Pour ceux qui n'ont pas grandi dans les années 94 à 96, c'est un très court espace-temps. Ça a été un jeu des cours de récréation qui était extrêmement à la mode, dont on entendait parler partout. Et puis un jour, ça a complètement disparu dans le néant et maintenant plus personne ne sait ce que c'est. J'ai fait la conférence devant ma nièce il y a 48 heures et elle n'était absolument pas au courant de ce que c'était. Donc la conférence parle bien d'autisme, hein, je vous rassure. Je voulais vous parler d'un effet qu'on connaît bien dans l'autisme, ou qu'on croit connaître, qui est l'effet de mode. Parce qu'on a très souvent l'impression que l'autisme, c'est une mode. Et comme je n'ai pas trouvé beaucoup de renseignements sur les POG, j'ai décidé de vous parler plutôt d'autre chose qui est le handspinner. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'ai pas de photo, mais j'ai ce formidable graphique. C'est l'occurrence des recherches du mot handspinner sur Internet. Et donc, quand on cherche sur Internet le mot handspinner, on voit que avant cette période-là, ça n'existait absolument pas du tout, personne ne savait ce que c'était. D'un coup, tout le monde a su ce que c'était et tout le monde cherchait à en obtenir et c'est retombé aussitôt. Donc, cette courbe-là, c'est une courbe de la mode. Les courbes de mode, elles fonctionnent toujours exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un degré à peu près zéro, une grande montée d'intérêt avec un pic et après ça redescend. À Noël, c'est une courbe assez saisonnière, on va dire, parce que les gens ne s'intéressent à Noël qu'à partir de... ça c'est mercredi, parce que quand c'est sorti la série Mercredi Addams sur Netflix, il y a eu un grand intérêt pour le mot mercredi. Et ça, c'est Les Choristes, c'est un peu plus vieux, mais quand le film Les Choristes est sorti, il y a eu un grand intérêt pour tout ce qui était choral, et après, c'est retombé à peu près à zéro. Je suis déjà perdue, ça commence bien. Et donc, oui, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on entend très souvent dire l'autisme, c'est à la mode. Et en fait, c'est pas très exact. Ce qui est à la mode, slide numéro 5. Ah non. Slide numéro 6. Voilà. Ce qui est à la mode, c'est un personnage autiste. Et à peu d'exceptions près, c'est toujours le même. C'est-à-dire que c'est un personnage autiste qui a quelques difficultés sociales, mais ces difficultés sociales-là, elles vont être compensées déjà par un entourage toujours hyper formidable, qui vont parfois, au début du film ou de la série, il ne s'y connaît pas très bien, mais après, d'un coup, il va devenir expert en à peu près 24 minutes. Et surtout, ce personnage autiste-là, il va avoir un super pouvoir. Alors, le docteur, son super pouvoir, c'est d'opérer des gens avec un tournevis et un trombone dans un aéroport. Monsieur je sais tout, je crois que c'est son super pouvoir, c'est qu'il s'y connaît vachement au football et il est capable d'analyser des mouvements de joueurs de foot sur un terrain juste en les regardant. Astrid et Raphaël, j'ai regardé que le pilote, mais a priori, vu qu'elle aime bien les puzzles, elle est capable de résoudre des énigmes scientifiques et policières. C'est très bien, mais dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Bon, j'aimerais bien être capable d'opérer des gens dans les aéroports, quoique je vais pas souvent à l'aéroport, mais c'est pas mon cas. C'est la 5 ? Non. Non. Non, c'est la 7. Non, la 5 elle sert pas. Voilà, la 5 elle sert pas. Ah, ouais. Ça, c'est une nouvelle courbe qui est un peu plus similaire à la façon dont fonctionne l'autisme. C'est-à-dire que c'est pas une courbe. Courbe de Gauss, c'est une courbe en S. C'est une courbe où on voit qu'au début, il y avait très peu de personnes concernées et maintenant, il y a énormément de personnes concernées. Et ce n'est pas la courbe des nombres de personnes autistes en France ou dans le monde, c'est la courbe des gauchers. Et vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas en 1880 très peu de gauchers et d'un coup, en 2005, oh, c'est à la mode, il y a plein de gauchers. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à peu près cette période-là, être gaucher, c'était très mal vu. Utiliser sa main gauche, c'était principalement religieux, c'était la main du diable, on n'utilisait pas la main gauche. Donc les personnes qui étaient gauchères cachaient qu'elles étaient gauchères, voire on faisait des gauchers contrariés, on les empêchait d'écrire de la main gauche. Et à cette période-là, il y a eu la guerre. La guerre, plein d'amputations, et les gens qui revenaient du front amputés, ils ont bien dû s'adapter et donc travailler de la main gauche. Et petit à petit, être gaucher, alors il y a eu des évolutions aussi dans la société sur comment est-ce qu'on considère la religion, mais entre autres grâce à la guerre, être gaucher c'est devenu plus un signe de résilience qu'un handicap ou une problématique,
Et donc, tout doucement, les personnes gauchères ont commencé à sortir du bois et à dire, bah oui, moi j'écris de la main gauche, c'est comme ça, c'est pas une tare. Et on a donc eu une ascension du nombre de gauchers officiel, pas du nombre de gauchers réels. Ensuite, en 1900, alors j'ai plus l'année exacte, mais c'est dans les années 50, l'éducation nationale a dit, bon, ok, on va arrêter d'attacher la main des enfants dans le dos pour qu'ils écrivent forcément de la main droite. On va faire les choses bien, chacun écrit de la main qu'il veut. Et là, du coup, le nombre de gauchers officiels a pu se stabiliser puisque on s'en fichait en gros d'être gaucher ou droitier. Et c'est exactement ce qui se passe, je crois que c'est la diapositive suivante, c'est exactement ce qui se passe avec l'autisme. C'est-à-dire que, avant les années 90, on avait l'impression qu'il y avait très peu d'autistes. Et dans les années 90, il s'est passé deux choses simultanées qui ont été déjà la modification. Bienvenue en Normandie, la modification du DSM, donc avec des critères de diagnostic un peu plus élargis, et en même temps, il y a eu l'avènement d'Internet. Internet est arrivé dans les foyers et tout, et donc c'était beaucoup plus facile de communiquer au grand public sur ce qu'était l'autisme. Et à partir de ce moment-là, eh ben, le nombre de personnes autistes officielles, pas réelles, a augmenté. Parce que de plus en plus de gens se disaient, tiens, ben, moi j'ai des choses qui sont un petit peu bizarres, peut-être que ça vaudrait le coup que j'aille me faire diagnostiquer. En parlait en public, avait de moins en moins honte, etc. Et là, on est en plein dans une phase d'ascension où tous les vrais autistes sont en train de sortir du bois, si je peux dire, même si c'est pas techniquement vrai. Et du coup, donc si l'autisme n'est pas une mode, la question suivante, c'est bah, qu'est-ce que c'est que l'autisme? Alors, l'autisme, je crois que c'est la slide suivante. Ouais. Donc, on entend souvent l'autisme, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une bonne excuse pour rester toute la journée dans le lit à regarder une série en boucle sur les crabes et les petits oiseaux marins? Est-ce que c'est un défaut d'éducation maternelle, puisque c'est toujours ce qu'on entend, que c'est la mère qui a mal éduqué son enfant? Est-ce que c'est un super pouvoir? Est-ce que c'est la faute du vaccin du ROR, R-E-R, je te remercie? En fait, c'est rien de tout ça. L'autisme, c'est ce qu'on appelle une atypie neurodéveloppementale. Donc, atypie neurodéveloppementale, elle est prête parce qu'elle connaît la slide, je pense. Elle m'a aidé à réviser. Atypie neurodéveloppementale, en fait, c'est un mot un peu compliqué pour une séance de vulgarisation. Donc, vas-y Marie, fais-toi plaisir. C'est juste, mon cerveau est bizarre, pour le résumer en une seule phrase. Allez, écoute. Et mon cerveau est bizarre, c'est pas non plus très scientifique, donc on va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Je vais vous expliquer, même si pour la plupart d'entre vous, vous savez probablement déjà comment ça fonctionne plus ou moins, je vais vous expliquer un peu ce dont on parle quand on parle d'autisme. L'autisme, ça se... Ah mais tu prends des initiatives, mais c'est pas grave, vas-y. L'autisme, ça se diagnostique, pardon, je n'arrive plus à parler, donc... c'est qu'il y a quand même des critères de base importants. Normalement, il y a deux critères officiellement pour l'instant, mais moi j'en ai rajouté un troisième parce qu'il me paraît très important, même s'il n'est pas actuellement dans le DSM, et je sais qu'il est aussi en cours de réflexion pour y être intégré. Donc, je vais vous en parler aussi. Les trois critères de diagnostic, c'est trouble de la communication et des interactions sociales, le besoin de répétition et les atypies sensorielles. Et pour être autiste, il faut donc avoir ces trois critères-là depuis la naissance, puisque c'est donc une condition neurodéveloppementale, et il faut aussi les avoir de façon envahissante, importante. On parle de troubles neurodéveloppementaux envahissants, avant c'était TED, maintenant je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, il faut que ce soit intense ou très fréquent, ou le plus souvent les deux. Ce qui fait que les gens qui disent « on est tous un peu autistes », non, c'est pas parce que vous aimez bien aligner vos boîtes de conserve dans votre placard que vous êtes autiste. Ben, j'aime bien le faire aussi, mais c'est pas la seule chose qui m'a amené à comprendre que j'étais autiste. Et donc ces deux, trois critères, vous dites comme vous préférez, ils sont à la fois précis et vagues. Donc là, tu peux changer, Marie, s'il te plaît. Alors, ils sont précis parce que pour avoir pour être autiste, donc il faut avoir tous ces critères-là, et il n'y a pas le choix, c'est un package entier. Par contre, ils sont vagues parce que derrière un même critère, on va retrouver beaucoup de réalités. Donc, moi j'aime bien les métaphores, je sais que d'habitude on dit les autistes n'aiment pas les métaphores, moi j'adore ça, et mon chéri qui a un TDAH ne les comprend jamais, mais bon, tant pis. Métaphore, c'est la pâtisserie. En pâtisserie, vous vous dites, les bases, c'est
l'eau, du lait, du sucre, des œufs, de la farine, et c'est la base de la pâtisserie. Sauf qu'avec cette même base-là, on va faire du flan, on va faire des génoises, on va faire de la pâte à choux, et ça n'a rien à voir. Et donc en autisme, c'est pareil. Vous avez un trouble de la communication et des interactions sociales, ça peut se traduire par tous les extrêmes. C'est-à-dire trouble de la communication, moi qui, sur un sujet qui me passionne, ne sais pas m'arrêter de parler. Et je connais d'autres personnes qui sont non-oralisantes, qui ne parlent pas du tout. Ou qui vont avoir, entre les deux, un mutisme sélectif, qui vont parler que dans certaines circonstances ou que à certaines personnes. Un besoin de répétition, c'est pareil. C'est un besoin qui peut se traduire par... moi, je vais plus avoir besoin d'une répétition visuelle. Donc vraiment, chez moi, tout est aligné, très ordonné, etc. Par contre, il va y avoir besoin des personnes qui vont avoir plutôt une routine ou des rituels et des horaires extrêmement précis dans la journée. Et les atypies sensorielles, c'est très vague parce que déjà, ça regroupe tous les sens. Et on a tendance à penser qu'on n'a que 5 sens, mais en fait, on en a extrêmement plus. On a notamment tous les sens interoceptifs, tout ce qui touche à comment on se sent à l'intérieur, donc la faim, la soif, la douleur, etc. Et en plus de ça, non seulement ça peut toucher un seul sens ou plein de sens, et ça peut les toucher, sans mauvais jeu de mots, dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être hyposensible, donc on a le sens qui est moins efficace, qui envoie moins d'informations, ou hypersensible, qui va envoyer plus d'informations. Voire même, un même sens peut être à la fois hypo et hyper en fonction des critères et de la condition. Donc c'est le bazar, j'aurais pu faire une slide juste pour marquer que c'était le bazar. À tout ça, on peut ajouter, en filant la métaphore de la pâtisserie, on peut ajouter les petits épices, la vanille et des herbes. Mais on peut ajouter des suppléments qui... Alors, on a l'habitude d'appeler ça des comorbidités, moi je préfère dire des co-occurrences parce que comorbidité, c'est pas, ça fait un peu malade, c'est pas terrible. Donc on a des co-occurrences, alors là j'ai mis des exemples. On a la synesthésie, donc avoir des associations de sens, la prosopagnosie, ne pas reconnaître les visages, le TDAH, on va avoir d'autres choses, on va avoir le CED, la lexithymie, etc. Je vous laisserai chercher tous les gros mots sur internet après. Mais en gros, ça va être des ajouts qui ne sont pas forcément le propre des personnes autistes, n'importe qui peut être synesthète, mais qui se retrouvent quand même souvent dans l'autisme, et qui vont faire que chaque profil va encore être différent les uns des autres en fonction des petits suppléments qu'on va trouver. Donc, moi, j'avais prévu à la base de dire, bah, je vais vous raconter ma journée type, et puis comme ça, je vais pouvoir vous faire des petits points sur qu'est-ce qui peut me poser problème au quotidien. Sauf que en faisant ça, je l'ai rédigé, hein, j'ai 17 pages de ma journée type, mais en faisant ça, je me suis dit, ça n'a absolument aucun intérêt, parce que ma journée type à moi, c'est pas la journée type d'un autiste, c'est la journée type d'un autiste spécifique, c'est pas la journée type de n'importe quel autiste, et je suis sûre que je prends tous les autistes présents dans cette pièce, on va tous avoir une journée différente et des problématiques différentes. Donc ça n'avait pas trop d'intérêt. Par contre, en l'écrivant, je me suis quand même rendu compte de quelque chose, qui est que on a quand même tous autistes un point commun, qui est moins glamour que le super génie médical, c'est que on est une forme de super héros, on est super crevé. Voilà, ça c'est le... il n'est pas autiste, mais il est bizarre quand même. Super crevé parce que l'autisme, être autiste, c'est très fatigant. On est fatigant de base. Alors j'ai appris hier, j'étais à des tables rondes, et j'ai appris hier que d'après la légende, les autistes ne ressentaient pas la fatigue. Je ne savais pas que cette légende existait, mais vraiment ça m'a... Donc les autistes sont très fatigués de façon générale, et c'est un point sur lequel je voulais vraiment faire une page complète, parce que ça me paraît être très central de mon quotidien, et pour le coup du quotidien de toutes les personnes autistes que j'ai pu côtoyer. Je vois moi spontanément deux explications à ça. La première explication, je vais... l'a donné un petit peu plus tard, mais globalement c'est parce que c'est lié à la façon dont on va traiter les informations qui est fatigante. Et la deuxième dont je vais parler maintenant, c'est le masque social. Là il y a une nouvelle slide. Ah, bien, la plus belle. Donc la problématique du masque social, c'est que tous les jours en fait
on va avoir des injonctions de la société pour correspondre à une image de la personne idéale qu'on doit être. Et on a tous ça, sauf que quand on est autiste, on correspond rarement à ce qu'on devrait être. Donc moi, par exemple, j'ai 36 ans, je suis une femme, donc selon la société et la norme, je devrais avoir un métier à temps plein, un appartement, un mari, un enfant virgule 3. Je devrais sortir le vendredi soir pour boire un verre avec les copines. Je devrais activité de détente, je ne sais pas ce que je suis censée faire, mais en tout cas, je coche aucune de ces cases. Du coup, au quotidien, on pourrait se dire, bah, c'est neutre, tant pis, chacun est unique, chacun fait comme il veut, sauf que ça ne marche pas. Je ne peux pas me permettre, si je veux vivre, me nourrir, avoir de l'argent pour payer des factures, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir du tout de métier, et à l'inverse, je ne suis pas capable d'avoir un métier à temps plein. Donc, je porte un masque social qui me permet de compenser, qui me permet d'avoir l'air à peu près normal la plupart du temps. Et ça, c'est très lourd à porter. C'est très compliqué, ça demande une concentration de tous les temps. Sauf en présence de certaines personnes qui sont extrêmement sécuritaires avec qui on peut se permettre de ne pas porter le masque. Et étant donné que c'est fatigant, ça provoque souvent de la fatigue supplémentaire en plus de celle donc que je disais de gestion des informations. Porter un masque social, c'est pas quelque chose qu'on fait volontiers et ça vient pas de nulle part. C'est quelque chose qu'on apprend vraiment très jeune. C'est-à-dire que dès l'école, moi j'ai très bonne mémoire, donc je me souviens j'ai des souvenirs de maternelle. Dès l'école, on apprend tout de suite qu'il y a certains comportements qui ne doivent pas être faits. Parce qu'on se fait disputer, parce qu'on se fait harceler, parce qu'on se fait agresser, etc. Et donc, on apprend plus ou moins à compenser et à masquer. Et idéalement, bien sûr, il faudrait ne pas avoir à le faire. Idéalement, on devrait être respecté tel qu'on est, mais a priori, on ne vit pas dans un monde idéal. Donc, cette fatigue du masque et cette fatigue de fonctionnement, elle provoque parfois une surcharge, ce qu'on appelle vulgairement la crise autistique. Et je vais vous faire aussi toute une page encore sur la crise autistique parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et n'était pas si bien connu que ça. Ah, c'est plus beau. J'ai découvert en fait que, a priori, même certains aidants ne savaient pas exactement ce que c'était qu'une crise, comment ça fonctionnait, pourquoi ça arrivait, etc. Donc j'avais vraiment à cœur de faire un petit point là-dessus. Alors, nouvelle métaphore, attention, on sort de la pâtisserie. Je crois que c'est... Ouais, bon, il n'y a pas d'image, mais tant pis, c'est très joli quand même. Le cerveau fonctionne comme un centre de tri postal. Vous avez un post-it, enfin, pas littéralement, mais vous avez un post-it interne dans votre cerveau qui va trier les informations. Les informations, c'est tout ce qui arrive par le sensoriel. Donc, je suis là et il y a un chat. Il faut faire un effort d'imagination, désolé. Il y a un chat, c'est l'information. C'est comme un courrier qui arrive dans votre cerveau et cette information, elle va devoir être triée immédiatement par le cerveau. Cette information, peut-être qu'elle n'a aucun intérêt. Peut-être qu'il y a un chat et qu'on s'en fiche. Donc, pas d'intérêt, c'est du déchet, hop, à la poubelle, on l'oublie. Peut-être que cette information, par contre, elle est hyper importante. S'il y a un chat et que juste à côté il y a un verre d'eau, c'est très important de savoir qu'il y a un chat à côté du verre d'eau parce que potentiellement le verre d'eau va finir par terre. Donc, cette information-là, le cerveau va la classer en urgent. C'est comme les lettres, ça n'existe plus maintenant, mais c'est comme les lettres avec un timbre rouge marqué prioritaire. On va l'envoyer directement au muscle pour que le muscle pousse le chat et que le verre d'eau soit en sécurité. Et cette information, elle peut être à peu près neutre et on va la processer. Enfin, on va faire je ne sais pas le dire en français, on va le faire lentement et on va le caser dans la mémoire, on va se souvenir qu'il y a un chat là, mais c'est pas très important. Ça, c'est la façon dont fonctionne le cerveau normalement. Si jamais je vais trop vite, vous pouvez quand même demander dans les temps. Je sais que j'ai dit pas de questions, mais parfois je m'en mêle. Donc ça, c'est le fonctionnement normal, mais quand je dis normal, il n'y a aucun jugement pour moi. Je l'entends normal dans la norme, c'est-à-dire dans la majorité numéraire. Mais il y a une autre façon de fonctionner, qui est donc celle des autistes, mais je ne sais pas si j'ai une slide pour ça. Marie, regarde, c'est la 18. Ah ben c'est ça. Donc,
Le cerveau des personnes autistes ne va pas fonctionner exactement pareil parce qu'on a plusieurs problématiques. Déjà, on a les informations qui arrivent de façon atypique. C'est-à-dire que justement, tous les courriers que je disais qu'on reçoit les informations sensorielles, vu que nos sens ne fonctionnent pas de façon conventionnelle, si on a une hyposensibilité visuelle, on va moins faire attention à ce qu'on regarde. Du coup, c'est comme s'il y avait moins de courriers arrivés, moins d'informations, une lettre avec l'adresse qui est floue, etc. Et on n'a pas suffisamment de données pour s'en servir. Et à l'inverse, si on a une hypersensibilité auditive, par exemple, on va avoir énormément d'informations sonores qui vont arriver, comme là, par exemple, le fait qu'il pleuve, etc. Ça, tout ça, ça arrive et ça fait beaucoup plus d'informations à gérer pour le cerveau. Ensuite, il y a la priorisation atypique. Ça, c'est les informations qui arrivent, elles ont normalement, le cerveau va savoir trier qu'est-ce qui est important dans l'information et qu'est-ce qui n'est pas. Là, justement, le son de la pluie, a priori, c'est pas important. Normalement, mon cerveau devrait chanter, enfin, un cerveau habituel chanterait ça parce que c'est de l'arrière-plan et ça n'est pas le primordial. Sauf que c'est présent. Et mon cerveau n'arrive pas à le trier comme une information secondaire, du coup c'est au premier plan et je dois faire avec jusqu'à ce que ça s'arrête de pleuvoir, c'est-à-dire probablement quand je serai partie. Je vous sers moi dans la autre. Ah, forcément, c'est rassurant. Et ensuite, le troisième point, c'est que le cerveau autiste a tendance à traiter un peu toutes les informations d'un seul coup. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre tranquillement les courriers un par un quand ils arrivent, il prend le paquet et il se dit « Ah bah moi je suis bien débordé. » Bon bah c'est pas de chance, faut faire avec. Et tous ces points-là vont faire justement que c'est extrêmement fatigant, c'est beaucoup d'informations à gérer, c'est des informations qu'on ne sait pas bien gérer et ça va provoquer potentiellement une saturation. Et quand le cerveau est saturé, il a deux techniques qui sont sur l'image longue normalement. Mais oui. Donc, je tiens à préciser que ce chien-là est potentiellement autiste parce qu'il vit avec moi depuis 10 ans et il n'est pas du tout comme un chien normal. Vraiment. On a le shutdown et le meltdown. Le shutdown, c'est la première technique. Alors, quand je parle de technique, c'est vraiment pas des techniques volontaires. Hein. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Le shutdown, c'est le cerveau qui a tellement d'informations qu'il va se dire la seule façon de les traiter, c'est de mettre toute mon énergie dessus. Et toute mon énergie, ça veut dire aussi mettre une énergie qui normalement devrait servir à autre chose. Donc par exemple, on a besoin d'énergie et de concentration pour marcher, pour parler. Et bien, en plein shutdown, cette énergie-là, on la met sur le traitement des informations. Donc, on n'est plus capable de rien. On est vraiment une larve, on est dans le même état que lui. On est vraiment étalé par terre et on attend que ça passe. Et l'autre technique, c'est le meltdown, c'est la crise qui est la plus connue puisque c'est aussi la plus impressionnante. C'est vraiment, oula, j'ai beaucoup d'informations à gérer, et ben tant pis, hop, j'éjecte tout. Et donc, dans ces moments-là, c'est vraiment la crise explosive avec potentiellement des coups, de la violence contre soi ou contre autrui, des cris, des pleurs, etc. Et les deux crises, parfois peuvent se suivre, ou en général, il y a le meltdown et puis après, il y a l'effondrement ensuite dans le shutdown parce que c'était trop. Tous les sujets que j'aborde là, je les fais un peu court parce que je ne vais pas non plus vous retenir pendant 14 heures, il y a le goûter juste après, mais c'est important quand même de noter qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que ça. Là, je fais vraiment un condensé. En fait, je voudrais vous faire un petit point sur les crises, sur le fait justement qu'elles n'apparaissent pas par hasard, soudain, parce qu'on a un peu cette image-là aussi, des personnes autistes qui d'un coup péter les plombs et se mettre à crier et tout. Alors qu'en fait, une crise, techniquement, c'est une saturation. Donc la saturation, elle n'arrive pas d'un coup. Elle peut parfois arriver très vite, mais ce n'est pas en un claquement de doigts où d'un coup, je vais me retourner et hop, je vais faire un meltdown en direct. Ça ne marche pas comme ça. En fait, il se passe des choses avant. Avant la crise, on va avoir, longtemps avant, avant d'être en saturation, en fait, on va avoir une possibilité d'empêcher la crise d'arriver en limitant justement cette saturation. Parce que si le cerveau n'a pas trop d'informations à gérer, techniquement, il ne va pas avoir à trouver une solution pour tout gérer. Donc, ces solutions-là, c'est surtout respecter les besoins sensoriels.
si on sait que la personne est hyperacousique et qu'elle a un problème avec les sons forts, bah, on va éviter de l'emmener dans un supermarché, un samedi après-midi, par exemple. C'est tout bête, mais ça peut l'aider à ne pas être trop saturé. Ou si la personne a déjà eu une grosse journée et qu'il y avait quelque chose de prévu, on sait que ça va encore plus la fatiguer, peut-être on va le décaler si la personne n'est pas trop rigide sur ses plannings. Et aussi respecter le besoin de répétition. Parce que la répétition, le fait que ça fasse partie des critères diagnostiques, c'est quelque chose qui est hyper important quand on est autiste. Le fait d'avoir un fonctionnement répétitif, que ce soit via les alignements, via les rituels, les routines, via regarder toujours la même série en boucle, etc. Ce sont des informations qui sont familières. Ce sont des informations qu'on connaît déjà, donc elles ne vont pas, ou en tout cas beaucoup moins, nous saturer, puisque c'est sécuritaire, on sait comment ça va se dérouler exactement. Donc ça, c'est très important pour éviter d'arriver jusqu'à la saturation. Juste avant la crise, et ça par contre, c'est, quand je dis juste avant, c'est vraiment un tout petit créneau, juste avant la crise, on va avoir une augmentation des stéréotypies. Les stéréotypies, c'est donc tous les gestes, etc., qui vont, les gestes, les mots, les phrases, etc., qui vont faire que, en gros, on a l'air beaucoup plus autiste. Et juste avant la crise, ça augmente parce que c'est le cerveau justement qui essaye de d'éponger et de compenser en faisant son maximum pour ne pas s'effondrer. Enfin, littéralement toujours. Hein. Donc moi, je sais que juste avant un effondrement, je vais avoir tendance à marcher de long en large dans une pièce. Et mon chéri, qui est, je vais te faire de la pub pendant toute cette conférence, hein, mais qui est absolument formidable, mon chéri, quand il me voit faire ça, il sait directement qu'il faut m'emmener, me poser dans un endroit calme avec ma couverture laissée, parce que sinon ça va être beaucoup trop bien. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas éviter toutes les crises, c'est impossible, quand la crise arrive, il faut limiter la sursaturation. Parce que, 14e métaphore de cette conférence, c'est comme une baignoire. Si la baignoire est pleine et vous essayez de la vider, mais qu'en même temps il y a quelqu'un qui rajoute de l'eau de l'autre côté, c'est vachement moins efficace. Donc, la sursaturation, c'est tout ce qui va amener le cerveau qui est en train d'essayer de vider les informations à en avoir des nouvelles. Du coup, ça peut passer par le sensoriel, toujours. Donc, évidemment, si la personne est sensible aux lumières, ben on va essayer de la placer dans un endroit où il n'y a pas de gros néons en pleine face. La saturation, ça peut aussi être une saturation sociale. Donc on ne va pas laisser la personne qui est en train de faire une crise dans un grand groupe pendant une nuitée d'anniversaire, par exemple, c'est pas très efficace, voire même c'est contre-productif. Et ça peut aussi être la saturation émotionnelle et aussi de réflexion. La partie de mon cerveau qui gère l'émotionnel et la partie qui gère le rationnel ne sont plus connectées. Il y a un pont normalement entre les deux qui n'existe plus à ce moment-là. Donc si la personne qui est avec moi me dit « Oh ben, t'as pas l'air bien, qu'est-ce que je peux faire ?» et tout, ça veut dire qu'il faut que moi je réfléchisse à ce que je suis censée avoir pour être bien, alors que je suis dans un moment où je ne suis pas capable de réfléchir, c'est juste pas le moment. Donc hier, exemple en direct, on était à l'hôtel, on avait voulu une chambre avec une baignoire, enfin pas dans la chambre, hein, il y avait la chambre et la baignoire, et on nous a dit « C'est pas possible d'avoir à la fois la baignoire et deux lits simples. » C'est soit une douche et deux lits simples, soit la baignoire et un lido. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, hier, j'avais eu les tables rondes, toute la route et tout. Je n'étais littéralement pas capable de décider ça. Et s'il fallait que j'y réfléchisse, c'était explosion garantie. Donc là, ma sœur a pris la décision pour moi parce que ça m'aurait trop demandé intellectuellement. Alors qu'a priori, c'est une réflexion que je suis capable de faire à froid, qui n'est pas trop complexe. J'ai conscience en fait que c'est dur pour tous les aidants, pour toutes les personnes qui entourent les personnes autistes, de voir la personne autiste en crise. Mais je tiens quand même à préciser, parce que c'est important, qu'on ne le fait pas exprès et que ce n'est pas négatif entre vous, même si on a des gestes violents ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste le trop-plein qui ressort de façon parfois pas très agréable. On va complètement changer de sujet et je n'ai pas de transition entre ces deux paragraphes, donc voilà. Parce que hier, on a beaucoup parlé de la notion de soins. C'est une problématique qu'on rencontre en fait énormément en tant qu'autiste, c'est que
on n'arrive pas à avoir un accès aux soins qui est le même que celui des personnes non autistes. C'est une grosse problématique, c'est quelque chose qui fait qu'on a aussi une espérance de vie très réduite par rapport à la norme. Et c'est d'autant plus problématique que ça ne s'explique pas uniquement par des problèmes de santé qu'on pourrait avoir. En fait, ce n'est pas le cas. Même si on supprime toutes ces données-là, en plus, on a quand même une mortalité qui est inférieure, enfin, supérieure. Super, on va plus jeune. Je vais vous donner un peu les points que moi, j'ai pu repérer de façon... je crois que tous les points que j'ai repérés, je les ai repérés de façon directe, personnelle, donc d'expérience. Et après, j'ai pu constater que ce n'était pas juste une expérience personnelle, ça avait l'air d'être assez global. Donc le premier point, c'est la slide 21. Ah oui, en plus, mes slides sont mal numérotées. Le premier point, c'est qu'il y a des clichés sur l'autisme. Bon, ça, je ne vous apprends rien, je pense. Mais il y a une grosse méconnaissance. Les gens ont des idées reçues sur ce qu'est une personne autiste. Et le fait d'avoir des idées reçues, ça va perturber le processus de soins. Donc parmi les idées reçues, il y a les autistes, ça crie tout le temps. Et donc, bah logiquement, si un autiste ça crie tout le temps, un autiste qui crie, c'est pas qu'il a mal, c'est juste qu'il est autiste. Et une personne médecin qui pense comme ça, malheureusement, ça va apporter à un retard de soins. On a un autre cliché qui est les autistes n'ont pas d'émotion. Ça, moi je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, a priori je suis une machine à réfléchir, c'est formidable. Et donc si on n'a pas d'émotion, bah, le problème c'est qu'on ne peut pas faire de dépression. Donc moi j'ai déjà, alors je ne l'ai pas entendu personnellement, mais j'ai récolté des témoignages et j'ai déjà entendu quelqu'un donc, qui m'a dit, un psy lui avait dit, vous ne pouvez pas être en train de faire une dépression puisque vous êtes autiste et vous n'avez pas accès à vos émotions. Donc partant de là, tout ce qui est soins psy, ça passe à la trappe. Parce qu'on a le double peine. Soit on va nous dire, non vous n'êtes pas autiste parce que vous êtes en train de faire une dépression. Et donc on va nier notre diagnostic et ça va nous apporter d'autres problèmes. Soit on va nous dire à l'inverse, bah non, vous n'êtes forcément pas en train de souffrir émotionnellement puisque vous êtes autiste. Donc il y a plusieurs clichés comme ça qu'on va pouvoir rencontrer qui vont apporter des préjudices assez importants. La seconde raison, c'est la slide suivante. Oups. Là voilà. C'est attirer de la nociception. Des gros mots à chaque fois, mais je vous les expliquer quand même. Donc la nociception, c'est le sens qui permet de ressentir la douleur. C'est différent du sens du toucher. Et avoir une atypie de la nociception, ça amène à des problématiques très variées. Si on a une hypersensibilité, ça va amener au fait que on va souvent se plaindre d'avoir très mal pour des trucs qui sont a priori très petits. Donc moi, je prends toujours le même exemple, mais moi, si j'ai une écharpe dans le doigt, la Normandie va être au courant que j'ai une charte en doigt parce que je ne supporte pas ça, pour moi c'est un truc hyper douloureux. Par contre, il y a l'inverse du spectre qui est l'hyposensibilité nociceptive et donc ça c'est certaines douleurs, on ne les ressent pas ou très peu. Moi c'est mon cas aussi parce que j'ai les deux côtés, sinon c'est pas drôle. Donc je me suis déjà cassé le coccyx et je m'en suis rendu compte 3 mois après en faisant un examen qui n'avait rien à voir. Le problème de ça, alors moi j'en rigole parce qu'en plus, c'est pareil, j'ai une chérie formidable et médecin formidable, donc grande chance, il me connaît, il est capable d'évaluer tout ça, mais je sais que c'est très loin d'être le cas partout. Et la problématique de ça, c'est que la prise en charge n'est pas très bonne parce que soit on ne va pas penser à aller voir le médecin parce qu'on ne va même pas avoir conscience qu'on a un gros problème, soit à l'inverse, on va être tout le temps en train de se plaindre pour des petits trucs. Et donc, un jour, on a vraiment quelque chose de problématique. Les gens vont dire, oui, mais bon, lui, on le connaît, il est toujours en train de dire, ah, j'ai une écharpe dans le doigt, ça ne doit pas être si grave. Et dans le même ordre d'idée, donc, il y a aussi l'atypie, donc là, c'est atypie de la douleur, et il y a aussi l'atypie d'expression de la douleur, c'est la traduction. Voilà, ça, c'est ma tête quand j'ai très mal. Et vraiment, littéralement. Et jusqu'à très récemment, j'étais persuadée que ça se voyait sur ma tête quand j'avais mal. Et le problème de ça, donc, que rencontrent beaucoup d'autistes, c'est qu'on a des expressions faciales qui vont potentiellement être un peu figées. C'est une problématique qui, en plus, va avoir tendance à empirer quand on est stressé ou quand on n'est pas bien. Et en général, quand on est chez les médecins, on est stressé et on n'est pas bien. Donc,
on va donner les informations de façon un peu factuelle. On va dire, bah voilà, enfin moi c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, voilà, j'ai très mal à mon pied. Et j'ai très mal à mon pied avec cette tête-là. A priori, les médecins, ils ont dit, bon, ça devrait aller. Et en fait, j'avais double fracture, articulation déplacée et un nerf quasiment coupé en deux. J'ai vraiment verbalisé que c'était très douloureux pour moi. Mais a priori, il faut la tête qui va avec, sinon ça ne vous fait pas. Donc c'est encore un autre problème, c'est la façon dont on va exprimer nos douleurs. Et le dernier souci qu'on rencontre, enfin c'est probablement pas le dernier, mais c'est le dernier auquel j'ai pu penser, c'est la slide 24 du coup, c'est le fait que les soignants sont rarement formés à l'autisme et donc ne vont pas s'adapter au fait qu'on est autiste. Alors, moi j'ai déjà essayé un peu de tout, j'ai déjà essayé de dire que j'étais autiste, j'ai déjà essayé de ne pas le dire, et dans tous les cas, de toute façon, on va rencontrer des problématiques. Cette image-là, ça date d'un moment où je suis arrivée à l'hôpital, la personne savait que j'étais autiste, on l'avait dit, mon conjoint était avec moi toujours, et en fait, j'avais un problème, j'étais déshydratée très sévèrement. Sauf que les médecins ne se sont pas rendus compte. Parce que moi, tout ce que je ressentais, c'est que j'avais un peu soif. Et alors, c'est mon chéri, qui me connaît bien, qui s'est dit, si elle dit qu'elle a un peu soif, et c'est qu'elle, déjà, elle ressent qu'elle a soif, donc c'est qu'il y a un vrai problème de déshydratation. J'ai une hypersensibilité aux médicaments, tout ce qui est antidouleur et tout ça, j'ai... S'il y a une liste de 1 km d'effets secondaires, je vais les avoir, c'est sûr. Et donc, je suis très vite complètement droguée par les médicaments antidouleurs. Et on peut aller à l'hôpital, on peut dire qu'on est autiste, on peut dire qu'on a une hypersensibilité médicamenteuse. La personne en face, très rarement, va nous croire et donc ne va pas adapter à ça. Les soignants, alors, avec tout le respect que je leur dois, parce qu'évidemment, il y a des problèmes de manque de personnel, de manque de moyens, etc. Mais les soignants vont très rarement prendre en compte tout ce que ça implique parce qu'ils ne le savent pas et parce qu'ils n'ont pas le temps à la fois. Et donc, ils vont nous mettre dans des salles avec beaucoup de lumière, avec des machines qui bipent alors que ce n'est pas indispensable, etc. Il y a aussi, ça j'avais pas pensé à le noter, mais on en a parlé hier, donc ça m'y a fait penser, la façon dont les soignants vont communiquer avec les personnes autistes, à nous demander est-ce que ça va. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris cette question, donc je sais que la réponse est oui, mais le problème c'est que quand on arrive à l'hôpital, qu'on nous demande est-ce que ça va et qu'on répond oui, bah, c'est pas la bonne réponse, donc c'est un bazar sans nom. Alors déjà, bah, prendre rendez-vous pour faire un processus de soins, pour prendre un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin traitant, c'est déjà compliqué, ça implique d'avoir une interaction sociale, de téléphoner, etc. Mais en plus de ça, quand on a un parcours de soins un peu chaotique avec des soignants qui ne prennent pas en compte nos spécificités, on a tendance à ne plus aller chez le médecin, ne plus se faire soigner, et du coup ça augmente encore plus nos risques d'être pris en charge trop tard. Donc c'est pas très joyeux, mais je pense que je vais apporter quelque chose d'un peu plus joyeux après, parce que... Bon, après je vous ai prévu une petite vidéo pour faire une coupure des moments compliqués. En fait, vu que c'est la quinzaine du handicap et que là on parle de santé, on parle de problématiques qu'on peut traiter dans l'autisme, ça m'a quand même fait me poser la question, est-ce que l'autisme c'est un handicap? Parce que tout le monde a une idée sur la question, a une réponse très précise, mais sauf que personne n'a la même réponse. C'est-à-dire qu'il y a, alors c'est peut-être pas moitié-moitié, mais en tout cas il y a une partie des gens à qui je vais poser la question qui vont me dire bah oui, évidemment, et l'autre partie qui vont me dire bah non, certainement pas, c'est juste une différence. Donc moi je suis d'accord avec personne et j'ai fait encore une page et du coup encore un slide. La définition du handicap, c'est, je ne vais pas arriver à lire là, donc je vais la lire là. Limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant. Donc quand je prends juste la définition, je me dis que oui, moi en tant qu'autiste, je suis handicapée. J'ai une limitation d'activité, par exemple bah, dans mon travail, on disait tout à l'heure je suis photographe, mais sauf que je ne peux pas faire de photographie comme n'importe quel photographe. Je ne peux pas travailler à temps plein. Si je fais des photographies de mariage, je ne peux certainement pas rester sur l'entièreté d'un mariage, c'est absolument impossible. Je ne peux pas faire de séances tous les jours, voire même plusieurs séances par jour, ça ne m'est jamais arrivé et ça ne m'arrivera jamais, etc.
restriction de la participation à la vie en société, j'ai même pas besoin de donner d'exemple, je pense, et en raison d'une altération, d'une fonction ou d'un trouble de santé, bah oui, c'est parce que je sollicite que j'ai pas accès à ça. Donc, en prenant juste comme ça littéralement, oui, être autiste, c'est être handicapé. Sauf que j'ai un côté pas très littéral en moi qui me fait voir la situation sous un autre angle. Et du coup, j'ai pris l'exemple d'un autre handicap qui fait un peu moins doute sur est-ce que c'est un handicap ou pas que l'autisme. Je me suis basée sur une personne qui serait tétraplégique. Et cette personne-là veut se rendre au musée. Je crois que la semaine suivante, elle doit pouvoir... Ouais, bon, allez, admettons. Ouais, c'est une citrouille qui a beaucoup souffert. Ça allait. Alors, cette personne-là ne peut pas se rendre au musée parce qu'elle doit prendre le métro et le métro n'a pas d'ascenseur. Le métro n'a pas d'ascenseur. Sauf que si le métro était équipé d'un ascenseur, et la personne pourrait aller au musée. Donc elle serait toujours tétraplégique, elle pourrait toujours pas se lever de son fauteuil, mais par contre, la limitation qui est d'aller au musée, elle ne l'aurait pas. C'est pour ça que moi j'aime bien différencier en fait deux sortes de handicaps. Parce qu'il y a le handicap constitutionnel, ce qui me rend handicapé, donc les mentaux qui ne fonctionnent pas. Moi autiste, mon cerveau fonctionne différemment et ça, le fait que la pluie m'accommode, la pluie va m'accommoder toute ma vie, quoi qu'on fasse. Mais par contre, j'ai des outils, j'ai un casque anti-bruit, j'ai moyen de ne pas être dans cette pièce, de demander des aménagements, etc., qui vont faire que, même si ça reste incommodant d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue circonstanciel, ça n'est plus handicapant. Donc, moi, plutôt que de parler de handicap, c'est vrai que j'aime mieux l'expression en situation de handicap, parce que, selon moi, il y a quand même une grosse partie du handicap qui est générée par le contexte. Pour que les situations soient le moins handicapantes possible, il faudrait que la société s'adapte. Et pour que la société s'adapte, il faudrait qu'on arrête justement de voir par le prisme de la norme. C'est-à-dire d'arrêter de considérer les individus en fonction de est-ce qu'ils sont plus ou moins proches de ce qui est normal ou pas. Si on arrêtait de voir en fonction de ce qui est bizarre ou pas, on aurait un petit peu plus de facilité à gérer les personnes selon ce qu'elles sont en tant qu'individus. Et bon, moi j'avais fait une petite digression, mais en fait, est-ce qu'une personne est bizarre ou pas, c'est pas que lié à la norme, c'est aussi lié à soi. C'est-à-dire que pour moi, qui, selon la norme, suis pas très très nette, on va dire, pour moi, ce sont les gens dans la norme qui sont hyper bizarres. Si on se basait juste sur le constat que, ok, on est unique, l'autre est forcément bizarre d'une façon ou d'une autre, on pourrait justement faire évoluer cette notion de handicap au moins circonstanciel. Donc moi je connais une fille qui en fait ne parle pas. En l'état actuel des choses, la société va dire, cette petite fille-là, à son âge, elle devrait parler, comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle parle, pourquoi elle parle pas, etc., etc. Et dans une société idéale, la question c'est, est-ce qu'elle va bien? Parce que cette petite fille, en fait, elle est hyper heureuse, elle est bien dans ses baskets, c'est juste qu'elle parle pas. Et donc, si on changeait un petit peu la façon de voir les choses et qu'on prenait la problématique, est-ce que les gens sont bien, est-ce que les gens sont heureux, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose pour être encore plus heureux? Alors, je sais, c'est très utopiste, mais j'aime savoir vers où je me dirige pour y aller. On pourrait avoir une société un petit peu plus, enfin, voire même beaucoup plus inclusive. Il y a souvent des méthodes d'éducation des autistes qui consistent à les rendre le plus normaux possible visuellement. Donc notamment, par exemple, un exemple classique qui est interdire le flapping. Donc le flapping, je suppose que tout le monde ici sait ce que c'est. C'est vraiment quand on est joyeux, on bat des bras. Je ne comprends pas, je n'ai même pas l'idée de pourquoi est-ce qu'on voudrait interdire de faire ça. C'est comme si on interdisait aux gens de rigoler ou d'applaudir. Enfin, je veux dire, l'important c'est pas est-ce que son geste a l'air normal. L'important c'est est-ce que pourquoi il fait ce geste là et il fait ce geste là parce qu'il est heureux. Et ben, on est content qu'il soit heureux.
Bon, là, j'avais quand même conscience que c'était en train de devenir un petit peu dur comme conférence, donc j'ai précisé que, comme on n'allait pas finir sur quelque chose d'aussi triste que la société ne nous accueille pas super bien, on va quand même passer plus sur quelque chose de positif qui est comment est-ce qu'on peut aider les personnes autistes à améliorer leur quotidien. Donc là, normalement, on peut, parmi les outils, alors je suis désolée d'appeler ça des outils parce que c'est pas des outils, c'est des personnes, mais on a les aidants formidables, toutes les personnes qui vont nous entourer et qui vont nous accompagner. Là, j'ai mis une image, c'est mon chéri qui le matin me met des codes internet parce qu'il sait que j'aime bien les énigmes, donc il me met des codes pour me dire qu'il m'aime, mais en message codé et sans me donner évidemment le langage dans lequel c'est écrit pour que je galère à trouver sur internet. Être diagnostiqué, c'est hyper important. Je sais que c'est compliqué d'obtenir un diagnostic, évidemment, mais le fait d'avoir un diagnostic, ça permet de mieux savoir comment est-ce qu'on fonctionne, et ça permet aussi de beaucoup mieux se respecter, de savoir, bah tiens, telle chose, ok, je suis autiste, donc j'ai une limite, et je sais où la placer maintenant, alors qu'avant, j'avais plus tendance à compenser et à forcer parce que je voulais justement avoir l'air normal. Donc avoir le diagnostic, ça peut être important. Les outils sensoriels, ça, c'est hyper utile aussi parce que la sensorialité, c'est vraiment quelque chose dont on souffre quotidiennement malheureusement. Donc le casque anti-bruit, les fidgets, il y a des petits outils qu'on peut manipuler manuellement qui sont très intéressants. La couverture lestée, alors je vais vous parler de la couverture lestée, du coup c'est le nom de la vidéo, je crois que c'est juste après. Sur une idée originale de ma nièce. Donc je vais montrer, je vais faire la conférence pour voir si c'était accessible à des gens qui ne s'y connaissaient pas. Et je lui ai parlé de la couverture lestée. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement, parce qu'on sait que ça fait du bien, mais tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Donc la couverture lestée, ça joue sur les capteurs proprioceptifs. C'est-à-dire que la proprioception, c'est le sens qui nous permet de savoir où sont les différentes parties de notre corps à tout moment. Et quand on est autiste et qu'on a ce sens-là, qui est hyposensible, ou quand on est simplement fatigué, ces capteurs-là, ils vont être moins efficaces, et donc du coup, on ne va pas se sentir très bien dans ton corps, on ne va pas vraiment savoir où on est, c'est un peu compliqué à décrire, mais on n'est pas très bien. Et quand j'ai expliqué ça à ma nièce, elle m'a dit « Ah, je sais, c'est comme Olaf dans la Reine des Neiges. » Donc... « Je sens plus mes jambes, je sens plus mes jambes !» Ce sont mes jambes. Le problème de la proprioception, alors c'est pas aussi direct que ça, mais c'est effectivement cette impression qu'on est vraiment plus vraiment dans son corps et on ne sait pas si c'est cette main, c'est vraiment ma main ou quoi, c'est très étrange et c'est très désagréable. L'avantage de la couverture lestée, c'est donc elle va rajouter un poids, ça va être progressif pour les capteurs proprioceptifs et ça va permettre justement qu'on va mieux se sentir. D'une façon générale, ouais, tout ce qui va pouvoir compenser les atypies sensorielles. Et un dernier point aussi qui est ce que moi j'essaye de faire régulièrement, un avant-dernier point pardon, qui est de sensibiliser les gens. Des conférences, de la vulgarisation sur internet, j'ai une chaîne YouTube, etc. Tout ce qui peut amener des personnes à comprendre comment fonctionne l'autisme pour rendre le sujet, de dédramatiser déjà, et puis apporter de meilleures connaissances. J'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit c'est formidable parce que moi je suis coiffeuse et j'ai découvert tes vidéos et je connaissais pas du tout, mais maintenant je pose des questions à mes clients différemment parce que je ne peux pas savoir, et si jamais ils sont autistes et qu'ils ont des sensibilités, je préfère être au courant. Donc tout ce qui est sensibilisation, dès que vous avez l'occasion et l'énergie de le faire, ça peut être très utile pour améliorer le quotidien. Et le dernier outil dont je voulais parler, elle n'est évidemment pas dans ce format-là, elle est quand même dans un format un petit peu plus accessible. Hop, et voilà. Donc moi, il y a quelques années où j'ai été justement, j'ai eu des soucis de santé et j'ai bien vu que les hôpitaux n'étaient pas hyper accueillants avec les patients autistes, j'ai donc fabriqué une carte. Alors ça c'est le modèle d'IRL, c'est la taille d'une carte d'identité à peu près. Et ça c'est ce qu'il y a dessous. Donc c'est une carte que j'ai toujours sur moi, et pour les cas où je pourrais ne pas être avec mon aidant ou ne pas pouvoir communiquer parce que trop de stress et j'arrive plus à organiser la pensée, eh ben, je peux toujours donner la carte, ou les soignants peuvent toujours la trouver dans mon portefeuille. Et ça comprend du coup mes informations personnelles,
les informations médicales qui peuvent être potentiellement utiles, le contact de l'aidant et un petit descriptif. Alors je précise que j'ai mis TSA sur la carte parce que moi de façon générale je préfère utiliser le terme autiste parce que je considère que c'est pas un robot, mais souvent quand on a une carte marquée je suis autiste, il y a à nouveau un gros préjugé de la part des soignants et des personnes qui vont nous prendre en charge. Donc j'ai tendance à préférer utiliser ce terme-là au moins dans ce cas très précis. Et ce qu'a fait mon toujours formidable chéri, c'est qu'il a créé un site en ligne où il a mis un formulaire et on remplit le formulaire et directement on a la version numérique de la carte personnalisée. Et donc on peut l'imprimer, la plastifier et du coup j'arrive à la fin, mais je suis un peu scolaire malheureusement. Donc je vais quand même vous faire un résumé parce que c'est que à la fin de Donc, je pense que je vais le lire parce que je commence à fatiguer, j'arrive plus à me concentrer, je suis désolée. L'autisme est une neuroatypie, ce qui signifie qu'il est présent dès la naissance et les personnes concernées vivent des réalités très différentes. Déjà parce que l'autisme se traduit chez chacun de façon variée, mais aussi parce que l'environnement impacte grandement sur l'autisme dans notre vie. Et cet impact est parfois très positif, d'autres fois malheureusement il porte à préjudice. En l'état actuel des choses, il existe des façons d'agir pour que l'autisme soit moins impactant, moins handicapant, mais ces solutions individuelles ne sont pas un tout. Donc il me semble très important que la vision de la société évolue aussi, pour que les clichés disparaissent au maximum et que la diversité soit accueillie pour ce qu'elle est et non pas comme un mal à combattre à tout prix. Je vous remercie tous de votre présence et de votre attention et que si vous avez des questions, c'est le moment pour les poser. Je suis prête. Thank you.